Bună ziua și bine ați venit! Bonjour et bienvenue! Luna martie este bogată în evenimente. Sărbătorim pe 20 martie Ziua Internațională a Francofoniei și a Fericirii. Pe 21 martie Ziua Mondială a Poeziei și pe 27 martie Ziua Mondială a Teatrului. Anul acesta, 2024, pe 28 martie, se împlinesc 30 de ani de când inițiatorul Teatrului Absurd, Eugen Ionescu, nu mai este printre noi, dar piesele lui se joacă cu succes din 1950 până în prezent. Iată cum a ales Asociația Culturală Română din Montreal tema teatrului în francofonie, împletită și cu poezia. Dar ce ne aduc toate acestea sufletului nostru, dacă nu fericirea? De a fi, de a cunoaște, de apartenență culturală, de a fi mai bogat în fiecare zi. Nous avons aujourd'hui comme invité spécial un ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de la francophonie, qui a été conseiller régional en Afrique de 22 pays francophones. C'est l'ancien ambassadeur en Roumanie, Moldavie et Bulgarie entre 1995 et 1998. J'invite prendre la parole Monsieur Gilles Douguet. Avant de commencer, je veux vous dire jusqu'à quel point je suis heureux en ce jour du printemps de me trouver parmi vous. Beaucoup d'entre vous me connaissez. Je parle facilement, j'écris beaucoup et je suis passionné par l'histoire de la Roumanie, bien sûr. Et le hasard de la vie a fait que j'ai été mêlé à la création de la francophonie. Il y a deux dates que je vous demande de retenir ce matin. La première date, c'est Samuel de Champlain. Vous passez sur le pont Champlain, vous connaissez Champlain de nom, le lac Champlain, mais Champlain a fondé le Québec. Champlain est mort le jour de Noël, le 25 décembre 1635. Au même moment, le cardinal Richelieu, à Paris, considère que le français est une langue si importante depuis que François Ier l'a déclaré la langue officielle à la place du latin, qu'il fonde l'Académie française. Alors, le même jour où Champlain meurt en Amérique du Nord, où il a amené le français en même temps que le sang de France, l'Académie française. Donc, il y a un lien, comment dirais-je, mystérieux entre la fondation de Québec par Champlain et la naissance de l'Académie française. Donc, l'Académie française va devenir un peu le parlement linguistique du français, parce que c'est l'Académie qui décide si un mot est français ou non, est-ce que c'est un néologisme ou est-ce que c'est un anglicisme, etc. C'est un parlement ou même une cour suprême, si on peut dire. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce que Ionesco a été le premier, entre guillemets, étranger à être reçu à l'Académie. En 1970, après une décennie de production littéraire phénoménale sur laquelle je ne peux pas m'étendre parce que je ne connais pas l'œuvre de Ionesco comme je devrais le connaître, mais j'ai vu ses pièces à Paris et ailleurs. Donc, il est admis à l'Académie française en 1970, avant Marguerite Yourcenar, qui était la première femme, avant un Haïtien québécois qui est, comment dirais-je, Danny Laferrière, et il ouvre la porte de l'Académie aux francophones de la diaspora. Donc, Ionesco, dans ce sens-là, c'est un pionnier. Il a ouvert des portes à la diaspora francophone. Et quand j'étais conseiller culturel à Paris, M. Bouchard me convoque dans son bureau un samedi matin et il me dit « Gilles, Mulroney s'en vient rencontrer Mitran pour créer le sommet de la francophonie. Le Canada se doit d'être fondateur participant à une activité qu'aucun premier ministre du Canada depuis un siècle n'a réussi. » Je lui réponds cinq secondes plus tard, « On va créer le Nobel de la francophonie. »
qui va récompenser le meilleur écrivain francophone au monde à chaque année, parce que les Français ont plein de prix littéraires, le prix de l'Académie française, Monaco, Goncourt, Renaudot et autres du même genre. Bouchard me répond du tac au tac, « Génial, on le fait. » Il prend le téléphone, il réveille Mulroney. On était midi à Paris et à Montréal, à cette heure-là, Mulroney est dans son lit. Alors Bouchard dit, « Brian, tu t'en viens en France, tu vas faire quelque chose qu'on n'a jamais fait nulle part. Tu vas créer le Nobel de la francophonie. » Je m'excuse de frapper, mais ça mérite. Mulroney dit, « C'est quoi ton affaire? » C'est comme ça qu'il parlait en québécois. « C'est quoi ton affaire? Pourquoi tu m'as réveillé, là, Lucien? Là, moi, je suis dans mon lit. » J'ai dit, « Brian, tu vas créer le Nobel de la francophonie avec l'Académie française quand tu vas arriver à Paris. » Brian lui dit, « Tu veux combien? 1 million? » Moi, je dis, « La moitié. 500 000 piastres. OK, tu l'as. Laisse-moi dormir. » Il a fermé. Donc, je veux, par cette anecdote, parler de Brian Mulroney, que nous honorons partout aujourd'hui à Montréal. C'était un grand homme. Il a créé le Grand Prix de la francophonie dans son lit en 2 minutes. C'est une bonne idée. You do it. On le fait. Parlons de la francophonie maintenant institutionnelle. L'idée flotte dans l'air. À partir de 1900, à Marseille, Frédéric Mistral, qui a eu le prix Nobel de littérature, un des deuxièmes ou troisièmes, après Sully Prudhomme, le grand poète français, invite des écrivains roumains à Marseille parce qu'il trouve qu'il y a une familiarité entre l'espagnol, l'italien, le basque, le français et le roumain, et il devient ami avec des roumains. Et l'idée flotte dans l'air que tous les francophones du monde entier devraient commencer à se parler. Le prix Nobel a fait éclater le concept que l'écriture, la littérature, c'est réservé rien qu'aux Français. Beaucoup de pays obtiennent le prix Nobel à travers les âges. Et comment dirais-je, l'idée flotte. Et 2 Africains, le président de la République tunisienne, Bourguiba, et Léopold Sédar Senghor, le grand poète, président de la République du Sénégal, sortent l'idée officielle que le français, au lieu d'être tout simplement un phénomène culturel à travers la planète, devrait devenir une institution étatique. Et alors, les premiers à mordre à l'hameçon au maximum sont des Québécois. Paul Géré-Lajoie, ministre de l'Éducation, dit « La francophonie doit exister et le Québec doit en faire partie. » Trudeau, qui commence sa carrière politique à Ottawa, dit « No way ». Le pays souverain, c'est le Canada. C'est le Canada qui va être dans la francophonie. Le Québec, il n'en est pas question. Et alors, au même moment, Jean Lesage, Paul Géré-Lajoie, René Lévesque et les autres, Parizeau, commencent à dire « Il n'y aura pas de francophonie si le Québec n'est pas à l'égal du Canada dans la francophonie. » La guerre diplomatique est pognée, comme on dit en québécois. La guerre diplomatique commence, et là, ça va durer 20 ans. Et qui est-ce qui va mettre fin à cette guerre-là? Brian Mulroney. Brian Mulroney, en 1984, reçoit Laurent Fabius, président de la République française, et il dit, avec Trudeau, il y avait une imposition que le Québec ne pouvait pas être un État francophone. On a trouvé le concept de gouvernement participant. Dans la francophonie institutionnelle, il y a 88 États et un gouvernement participant, qui est le Québec, qui a un rôle étatique dans le financement de la francophonie. Et ça, c'est Mulroney, en 1984, reçoit Fabius, et inspiré par Lucien Bouchard, il dit « Il est normal que le Québec ait des rapports privilégiés et directs avec la France. » Donc, tout ce qui s'est passé depuis 1960 jusqu'en 84, c'est OK pour nous au Canada, oublier les querelles de jadis. Et en ce qui concerne le sommet, le Québec a sa place. Et j'ai des photos
où M. Bourassa joue un rôle pendant le premier sommet. Donc, ce que je vous explique en général, c'est les circonstances internationales qui ont conduit à la création du premier sommet. Maintenant, il y a 88 pays dans le monde qui font partie de l'Organisation internationale francophone. J'ai eu l'idée de dire à M. Bouchard, le Grand Prix devrait exister. M. Bouchard a réveillé Brian Mulroney, puis Brian a dit « Fiat voluntas tuas ». Faites comme il faut la chose, et aujourd'hui, le sommet se réunit à tous les deux ans. Maintenant, est-ce que la francophonie peut se développer? Peut-être. Avec les nouveaux moyens de communication, les jeunes sont sur leur iPad, ils parlent du Japon au Chili, tout le monde se parle. Peut-être que grâce aux nouvelles technologies, il y a un article du Journal de Montréal hier qui dit que la francophonie se développe dans le monde. Il y a 350 millions de francophones dans le monde, même si le français souffre au Québec et à Montréal en particulier, où on favorise le bilinguisme et même le trilinguisme grâce aux Roumains et aux Moldaves. Il y en a qui parlent dans cette salle qui parlent trois langues et qui leur reprochent de n'en parler que deux, mais mentalement et amoureusement, grâce à ma femme, je suis un peu roumain moi-même. Je suis un des petits-fils de Ionesco. À partir d'aujourd'hui, je vais mieux connaître son œuvre et je vous remercie de votre attention. Si on parle aussi du bonheur, je vais vous dire un mot sur la personne qui a apporté du bonheur dans la communauté roumaine cette année, par sa présence, initiative, implication et organisation de plusieurs événements déjà. C'est notre consul général de la Roumanie à Montréal. Voici notre invitée spéciale, Madame Tulia Bala. Monsieur Duguay, Monsieur le professeur Bouchard, Madame Haïdouk, Mesdames et Messieurs, chers amis de la francophonie, de la Roumanie, à cette occasion spéciale, je me tiens devant vous pour évoquer le lien profond qui unit Eugène Ionescu à la francophonie. Ionescu, ce génie du théâtre, de l'absurde, a transcendé les frontières linguistiques pour devenir l'un des piliers de la littérature francophone. À travers ses pièces emblématiques, il a captivé le public du monde entier, révélant les paradoxes de l'existence humaine avec une subtilité et une profondeur inégalables. Dans chaque mot, chaque réplique, Ionescu a su explorer les méandres de la condition humaine, interrogeant notre rapport à la réalité et à la logique. Sa plume acérée a déconstruit les conventions pour mieux révéler l'absurdité cachée sur la surface de notre quotidien. Ainsi, il a offert à la francophonie un trésor littéraire d'une richesse inestimable, une œuvre intemporelle qui résonne au-delà des frontières linguistiques et culturelles. En célébrant Eugène Ionescu, nous célébrons également la diversité et la vitalité de la francophonie, cette communauté des langues et de cultures unies par la beauté et la puissance des mots. Ionescu incarne à lui seul la force créatrice de la francophonie, sa capacité à inspirer, à émouvoir et à rassembler au-delà des différences. En nous plongeant dans l'absurde, il nous invite à repenser notre rapport au monde, à ouvrir nos esprits à de nouvelles perspectives, à embrasser la complexité de notre humanité commune. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire d'Eugène Ionescu en célébrant la francophonie dans toute sa diversité et sa richesse. Que ces mots continuent à résonner dans nos cœurs et à nourrir notre réflexion,
nous rappelant la puissance de l'art et la langue pour transcender les frontières et unir les peuples. Je vous remercie. Scriitor de limbă franceză originar din România, protagonist al Teatrului Absurdului și membru al Academiei Franceze, dramaturgul Eugen Ionescu a scris 39 de piese de teatru, dintre care cele mai cunoscute sunt La Cantatrice Chauve, La Leçon, Les Chaises, Rhinoceros, Le Roi se mort. Vom afla mai multe de la următorul nostru invitat special. C'est un professeur universitaire québécois, spécialiste en culture et langue grecque, qui connaît aussi roumain et qui parle roumain. J'invite Monsieur Jacques Bouchard. Aș vrea mai întâi să-i mulțumesc doamnei Corina Haiduc, care a avut amabilitatea să mă invite să particip la omagiul lui Eugen Ionescu. Le voi lăsa specialiștilor să comenteze originalitatea lui, care a fost contribuția autorului franco-român la Teatrul Absurdului. Vă cer voie să continui pe franțuzește, vorbind despre un fenomen unic din istoria teatrului mondial. Je vais vous parler du théâtre de la Huchette. Le théâtre de la Huchette qui se trouve à Paris, dans le quartier latin, dans le 5e arrondissement, à deux pas de la place Saint-Michel, au 23 de la rue de la Huchette. Le lieu où se trouve le théâtre était auparavant un restaurant qui appartenait à Micha Aznavourian, le père du chanteur français Charles Aznavour. Il s'agit d'un théâtre de poche qui ne contient que 80 places. Il se consacre depuis le 16 février 1957 à la promotion de la dramaturgie avant-gardiste d'Ionesco. Depuis cette date jusqu'aujourd'hui, il met chaque jour à l'affiche, sauf le dimanche, les deux mêmes pièces d'Eugène Ionesco, La Cantatrice Chauve et La Leçon. Voilà. Au mois d'août 1957, j'étais un jeune scout de passage à Paris. J'arpentais le quartier latin. Je m'arrête tout à coup devant l'affiche du théâtre de la Huchette. C'est l'affiche de 1957. Je ne connaissais pas le nom Ionesco. Je me demande même si on pouvait trouver à cette époque-là des pièces d'Ionesco au Québec, 1957. C'est le titre saugrenu de La Cantatrice Chauve qui a retenu mon attention. Malheureusement, l'heure était un peu tardive et je n'ai pas pu assister à la pièce. Je devais retourner au lycée où la troupe des scouts québécois campait au cœur de Paris. Par contre, j'ai revisité à maintes reprises le théâtre de la Huchette lors de mes séjours dans la Ville Lumière. Le théâtre de la Huchette est sûrement le seul au monde à avoir compté plus de 20 500 représentations des deux mêmes pièces d'Ionesco, sans interruption depuis le mois de février jusqu'à maintenant. La troupe du théâtre de la Huchette est composée de 45 comédiens et comédiennes qui se relaient et font aussi des tournées à l'étranger. C'est-à-dire que si vous voyez un soir, disons, La Cantatrice Chauve, vous retournez la semaine suivante et vous revoyez la pièce, mais avec d'autres acteurs. Donc, on a l'occasion de voir le jeu de plusieurs personnes à partir d'un texte.
De plus, chaque soir, le théâtre présente une troisième pièce. Donc, ce sont des pièces qui durent à peu près une heure chacune, d'un autre auteur, français ou étranger. Pendant les Jeux olympiques qui viennent, le théâtre La Huchette continuera de présenter ces deux pièces surmontées de surtitres en anglais. Ionesco a lui-même raconté comment lui était venue l'idée du dialogue insolite. Il voulait apprendre l'anglais avec la fameuse méthode assimile. Il y a une très bonne méthode assimile pour le roumain. Et qui aligne une suite, ce n'est pas la méthode de roumain, là, parce qu'elle est très bien faite. Ils ont fait des progrès depuis. Ça, c'est la première méthode d'anglais d'assimile, c'est 1943. Alors, ils ont fait des progrès depuis. Qui aligne une suite de phrases détachées sans lien logique. Comme par exemple, tous les Français connaissent, s'ils connaissent cette méthode pour l'anglais, « My tailor is rich ». Puis là, ben, toutes les phrases qui suivent n'ont pas de lien logique les unes avec les autres. Alors, de lien sans lien logique, de banale vérité et de truisme truculent et absurde. Le théâtre de l'absurde a été magistralement illustré par Eugène Ionesco et par Samuel Beckett, comme on le sait. Par ailleurs, Albert Camus a formulé un concept philosophique ce que l'on entend par absurde. Ces trois écrivains de l'avant-garde marquante du milieu du XXe siècle sont entrés au panthéon de la littérature universelle. Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Samuel Beckett a reçu le même prix de littérature, le Nobel de littérature, en 1969. Eugène Ionesco a élu membre de l'Académie française, comme l'a dit mon ami Gilles, en 1970, et officier de la Légion d'honneur en 1984. Je vous remercie de votre attention. Vă mulțumesc din toată inima.